Des puissants, des connus s'étalent dans la presse. Les histoires de cul, les histoires de fesses. On est bien loin du tendre, plus proche des égouts. J'avoue sur le sujet me sentir mal à l'aise quand j'entends que machin avec machine baise. Ces rumeurs qui font vendre ne sont pas de mon goût. Ne croyez pas qu'ici j'affirme à l'analyse qu'il est normal parbleu qu'on ridicoculise. Tous les grands de ce monde qui abusent de nous, si même c'était un juste retour des choses, à l'odeur du fumier, je préfère la rose. Ces rumeurs qui font vendre ne sont pas de mon goût. Même si je venais à manquer de richesse, je ne mangerais pas de certains pains de fesses. Il faut bien le comprendre, et je pense que vous, dont l'amitié souvent va jusqu'à la lecture de mes pauvres écrits, vous avez l'âme pure. Ces rumeurs qui font vendre ne sont pas de mon goût. Souvenez-vous, ma foi, de ce pauvre Clinton donnant à Monica des cours de sexe à faune dans son bureau ovale qui plus tard nia tout. Si la chose arrivait à Pierre, Paul ou Jacques, sa famille aujourd'hui passerait triste Pâques. Ces rumeurs qui font vendre ne sont pas de mon goût. On n'a rien entendu concernant Anémone, pas de rumeurs non plus accusant Antivore. Le canard l'aurait dit, qui n'a rien dit du tout. Il serait enfin temps que mascarade cesse et que tout un chacun s'occupe de ses fesses. Il faudra compte rendre, et il en est beaucoup. Et c'est triste de parler de fesses sans vous.